Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis là pour vous raconter l'histoire des tours jumelles le 11 septembre 2001. L'histoire de Ben Laden qui a cassé les deux tours jumelles. Ça peut intéresser Théo Lopez. Et Théo, si je prends cette vidéo, c'est plutôt pour te la montrer à toi. Tadam! Et j'ai pris une autre vidéo, c'est parce que j'avais envie. D'accord? D'accord. Vous êtes d'accord? Attention. Cette histoire se passa lorsque deux avions que Ben Laden a envoyés. Vous voyez, on est venu détruire les deux tours jumelles. En voilà un premier. Il a cassé la moitié de la première tour jumelle. Vous avez vu, la tour jumelle était en train de se détruire. Vous voyez des tours jumelles encore? Vous les voyez? Bizarre. Ils ont été retournés. Lorsqu'un deuxième avion est arrivé. Et là. Et vous voyez bien, un avion est décollé. Bien sûr. Un avion est passé par terre. Et là. Et voilà l'histoire des deux tours jumelles. C'est stupide, je sais. J'avais envie quand même de vous montrer cette histoire de tours jumelles. D'accord? Mathias et les tours jumelles. Tadam! Et nous n'oublions plus tous les pompiers et plein de gens. Les États sont morts à cause de cette histoire. Les tours jumelles, nous n'oublierons plus les tours jumelles. Walter Wattstanter et... et les autres bâtiments qui ont été détruits. Ben Laden a été enfin tué. Mais ils disent que c'était lui. Est-ce que c'était pas... Non. Attention. Bye bye. Oui, oui. C'est mon frère et mon frère. Voilà. Et si je vous présente ça, c'est pour... Qui? Théo Lopez. Théo Lopez, peut-être ça va... Oui, j'y vais. Ça va peut-être l'intéresser à Théo Lopez. C'est toi, je parle pas à toi.